là qui va là, et là ça va pas. Oh là, je suis là. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va continuer sur les cochons, deuxième génération, et on va voir comment on peut déclencher par exemple la TNT, éventuellement quelques chaînes. Par exemple ici, comme vous venez d'entendre, activer les séries Prime, écouter des radios, écouter des musiques, faire pas mal de petites choses très sympathiques sur notre Echo Show. C'est parti les amis. Alors tout ça pour vous montrer la qualité de l'écran. Franchement, c'est hallucinant. Un écran 10,1 pouces, c'est le top. Là, on est sur Prime Video. On peut donc lancer des séries sans problème. Exemple, Alexa, lance une série sur Prime Video. Voici Grey's Anatomy saison 4 épisode 1. Voici donc Grey's Anatomy épisode 1 saison 1. C'est parti. Je t'aime, Georges, et j'espère que... Au niveau du son, on est vraiment au plus bas. Je peux vous dire que quand on envoie la patate, c'est un truc de fou. J'ai rencontré une famille hier soir. Salut. Alexa, accueil. Voilà, donc on se retrouve sur l'accueil. Si je veux écouter de la musique, je vais tout simplement lui demander... Alexa, lance du rock. Voici une station qui pourrait vous plaire. Le meilleur de la pop sur Amazon Music. Alexa, accueil. Voilà, on peut voir en même temps le texte avancer, c'est franchement top. On peut même, si on le désire, lancer des radios et je vous invite à aller écouter Génération Web, une radio qui a été développée par Philippe Detrault, un ami à moi. Donc n'hésitez pas à aller écouter la radio qui est complètement accessible. N'hésitez pas à aller voir Génération Web. C'est parti, on lui demande. Allez. Alors, Génération Web a été vraiment développée par Philippe, qui est une personne non-voyante. Vous pouvez aussi trouver l'application sous iOS et sous Android. Génération Web est une application entièrement accessible et cette radio est vraiment une radio qui parle aux personnes en situation de handicap visuel. C'est vraiment le top, donc n'hésitez pas à télécharger aussi bien sous Android que sous iOS. Génération Web, une super radio gérée par Philippe. Allez, on lui demande tout de suite de lancer la radio. Alexa, jouez Génération Web. D'accord. Voilà, donc vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez donc voir sur l'écran ici le logo de Génération Web avec un super fond bleu. Franchement, c'est génial. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas donc à télécharger cette application sur vos smartphones. Génération Web, la radio accessible par Alexa et dirigée par Philippe Detrault, une personne non voyante. C'est top. Petite pub pour mon ami Philippe et la radio Génération Web. Voilà donc Génération Web, la seule radio accessible pour les non-voyants qui se trouve sur Alexa. C'est top. Salut Philippe, Génération Web, la radio du futur. Alexa, ouvre les paramètres. Voici les paramètres. Voilà donc comme vous pouvez voir, on peut même par le biais de la voix ouvrir directement les paramètres de l'application. Alexa, météo demain à Marseille. Demain à Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous pouvez vous attendre à des averses, avec une température maximale de 16 degrés Celsius et une température minimale de 10 degrés. Voilà donc ce qui est vraiment parfait, c'est que l'on retrouve tout ce qu'elle dit sur ce grand écran, vraiment de très bonne définition avec un haut-parleur ultra puissant. Alors bien sûr sur cet écran on est très à l'aise et on peut même lancer du YouTube sans problème. Alexa, regardez les vidéos Vision Hightech sur YouTube. On voit donc apparaître les vidéos Vision Hightech. Et bien sûr... Voilà, donc comme vous pouvez voir et entendre, ici, on est rendu sur la chaîne Vision Hightech. À partir de l'écran du Echo Show deuxième génération, c'est propre. C'est vraiment idéal pour regarder des vidéos YouTube. Et en plus, le son est très bon. La bague qui bloque la boîte, on ouvre. Alors, comme vous pouvez voir ici, on est sur une de mes vidéos où je vous avais présenté les lunettes connectées. N'hésitez pas d'aller voir sur ma chaîne, cette vidéo est super intéressante.
Donc ce sont des lunettes. Allez, on continue. Alors, l'Echo Show est équipé de Firefox. On peut donc naviguer sur Internet à partir de cette enceinte connectée. C'est vraiment le top. On peut aussi, par exemple, lancer des appels audio. Exemple ici, Alexa, appelle maman. De qui ? Ou Christophe ? Christophe. J'appelle les appareils Alexa de maman sous le nom Christophe. Et là, directement, on passe un appel téléphonique, tranquillement, c'est vraiment le top. On peut s'apercevoir que si la personne de l'autre côté a le même Echo Show que vous, vous allez pouvoir faire de la visioconférence et ça, c'est vraiment top. Le contact n'est pas disponible. Souhaitez-vous laisser un message vocal sur son appareil ? Oui. Quel est le message ? Salut, j'ai tenté de t'appeler pour ma vidéo YouTube. Je t'appelle tout à l'heure. D'accord. Dois-je l'envoyer ? Oui. Envoie à maman de Christophe. Voilà, comme vous avez pu entendre, tranquillement, vu qu'elle n'était pas disponible, j'ai pu envoyer un message vocal et ça, c'est le top. Pour rechercher des skills, rendez-vous dans la rubrique skills de l'application Alexa. Alexa, ouvrir Stream TV. D'accord, voici votre télévision, Stream Player. Bienvenue. Découvrez les nouvelles chaînes françaises Télévision 5 Monde, Gulli et Arte. Que voulez-vous faire ? Dites par exemple, lance Gulli. Lance Gulli. Lancement de Gulli. Voilà, Stream Player est une skill qui permet pour l'instant d'avoir quelques chaînes de la TNT, mais normalement tout cela va s'améliorer au fur et à mesure. Donc la possibilité aussi de regarder et d'écouter la télé, la radio, les musiques, Apple Music, Spotify, Deezer, c'est vraiment super top. On peut même, si on le désire, lancer une recette et avoir une visualisation de la recette en temps réel. C'est parti. On va par exemple lancer une recette et vous allez voir que sur l'écran de cette taille, on voit la recette se dérouler en temps réel. C'est parti. Alexa, comment faire un cassoulet ? J'ai une recette de cassoulet à ma façon qui demande 60 minutes de préparation et qui est notée 4,8 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ? Ou la recette suivante ? Lancez la recette. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette ? 3 personnes. Ingrédients pour 3 personnes. 280 à 1,5 g d'haricots coco ou mojettes de Vendée. 6 tranches de saucisson à l'ail. 3 saucisses de Toulouse non fumées. Vive la Vendée ! 1,5 tranches de poitrine de porc fumée. 3 quarts de boîte de confit de canard, 4 cuisses. 26,5 g de concentré de tomate en boîte. Laurier. Alors sur l'écran, on peut voir au fur et à mesure le texte monté. Voulez-vous commencer la première étape de la recette ? Oui. D'accord, on y va. Mettre la mojette à tremper la veille dans l'eau froide. Vous pouvez demander à tout moment la quantité d'un ingrédient. Pour passer à la suite, dites « Alexa, reprends la recette ». Alexa, reprends la recette. Égoutter la mojette, la mettre à cuire dans une cocotte, recouverte d'eau froide, non salée, avec 5 ou 6 gousses d'ail, du thym et du laurier, pendant une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure, à partir de l'ébullition. Voilà donc, et tout en bas de votre écran, lorsque vous dites le mot-clé, on voit apparaître une espèce de trait bleu qui nous montre, qui nous dit que Alexa nous a bien entendu et on peut lui dire Alexa, stop. Ok et à bientôt sur Marmiton. Alors, savez-vous que l'on peut aussi, si vous êtes le soir et que vous ne voulez pas parler fort, vous pouvez demander à Alexa de chuchoter. Et ça, c'est le top. Vous allez voir ça tout de suite. Alexa, mode chuchotement. D'accord. J'ai activé les réponses chuchotées. Alexa, t'es là ? Oui, j'écoute quand vous m'appelez. Alexa, t'es là ? Oui, j'écoute à partir du moment où je vous entends m'appeler. Alexa, montre-moi des images de Lyon. Voici ce que j'ai trouvé en ligne. Voilà donc, elle est capable aussi d'aller récupérer des images comme on le veut.
Alexa, quel est le cri du lion ? Voici un son de lion. Veux-tu entendre un son d'animal au hasard ? Stop. À bientôt. On peut même, si on le désire, jouer à des jeux. Alexa, joue à un jeu. Des jeux ? Bien sûr. Laquelle souhaitez-vous ? Jeu trivia, jeu de géographie, jeu animal ou jeu d'aventure ? Vous pouvez également me demander plus d'options. Jeu d'aventure. D'accord, jeu d'aventure. Que diriez-vous de Swago ? Vous pouvez également me demander plus d'options. Voulez-vous essayer Swago ? Oui. À votre guise. Voici Swago. Bienvenue sur Swago. Tu vas découvrir deux scénarios. Dans le premier scénario, tu te retrouves dans un hôtel mais tu ne te souviens plus de rien. Garderas-tu ton sang-froid ? Prendras-tu la bonne décision pour t'échapper de cet hôtel sain et sauf ? Pour connaître les règles, tu peux dire « Aide ». Pour commencer, le premier scénario dit « Commencez ». Pour écouter le deuxième scénario pour savoir comment tout a commencé, dis la suite. Commencez. Tu ouvres les yeux. Il fait nuit. Tu es dans un lit, dans une chambre qui semble être une chambre d'hôtel. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas comment tu es arrivé là. Sur l'écran de ton téléphone, un SMS qui te dit « Sors, maintenant ». Tu sautes du lit et pars en courant vers la porte. Tu entends des pas dans le couloir. Tu n'as qu'une seconde pour décider d'ouvrir ou fermer la porte à clé. Choisis « Ouvrir » ou « Fermer la porte ». Stop. Partie sauvegardée. Merci d'avoir utilisé Swago. J'espère te revoir bientôt pour découvrir la suite de ce scénario. Au revoir. Tu as terminé en 0h01min31s. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, il y a vraiment énormément de choses à faire sur cet écran qui est vraiment d'une qualité extrême. On va reprendre donc une nouvelle vidéo plus tard. Donc si vous voulez continuer les aventures de l'Echo Show avec, par exemple, si je lui demande « Alexa, montre-moi un feu de cheminée ». Commencez pour feu de cheminée ou dites suivant pour faire votre choix. Commencez. Feu de cheminée. Voilà, donc terminons par un petit feu de cheminée très sympathique que vous voyez sur cet écran très réaliste. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Il fait chaud les amis, devant ce feu c'est agréable. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous.